dit, je voudrais m'adresser à mon peuple. Je voudrais adresser un message à ma nation. Mais ceci, il y aura beaucoup de personnes qui seront blessées. Il y aura beaucoup qui seront déçus par mes propos. Mais vous savez, je ne suis pas les gens. Je fais les choses à ma guise. Je fais les choses telles que je le pense. Je dis les choses telles que je le vois. La famille. Depuis deux ou trois jours, ou pratiquement avant une semaine, que Didier Publicité de London a commencé à tenir certains propos vers le Togo. Étant un frère togolais, étant un jeune togolais, j'ai pris mon temps à analyser, écouter ses dires et ses propos. J'ai vu quelques blogueurs, quelques vidéastes, les commentaires, les propos de beaucoup parmi nous. Nos avis sont partagés. Nos avis sont divisés. Je ne peux m'empêcher de dire que telle a raison ou telle a tort. Chacun a sa façon de comprendre les choses et de voir les choses. Mais il y a la vidéo d'un jeune petit frère qui va dans mon sens, qui a tenu des propos que j'ai appréciés. Parce que peu importe ce que nous dirons, Didier Publicité de London, dans ses premières vidéos, a dit une pure vérité au Togolais. Oui. Aujourd'hui, on ne nous voit nulle part. Quand on prend la Côte d'Ivoire, on peut parler des baisses du football qui anime la Côte d'Ivoire. Quand on prend le Cameroun, on peut parler de Nouganou, le boxeur, qui fait la fierté de la Côte du Cameroun. Quand on prend le Burkina, on va voir le gros là, l'homme le plus fort du monde. Quand on prend le Bénin, on verra Axel et tous ses consorts. Mais quand on prend le Togo, il y a quoi? À pas venir nous insulter nous-mêmes, à pas venir se critiquer, à pas venir dire des désordres, le showbiz togolais n'a rien qui peut divertir la jeunesse togolaise. Le football ne nous unit pas. Les réseaux sociaux, ça là même c'est gâté. La musique, c'est cessé. La comédie des comédiens, c'est gâté là-bas. Il n'y a aucune chose aujourd'hui qui peut rassembler le peuple togolais, qui peut faire la fierté du Togo. Non. D'une part, Didier Publicité de London a dit une pure vérité. Nous devons soulever le niveau de notre showbiz sur tous les plans. Oui. On ne nous voit pas. Ce n'est pas le fait de venir dire le Togo est un univers, le Togo est un univers. Quel univers? Univers de quoi? Nous devons apporter un soutien à notre showbiz. Quand je parle de showbiz, c'est toute catégorie confondue. Je ne parle pas que des musiciens, je ne parle pas que des influenceurs, je ne parle pas que des TikTokers, je parle de tout. Football, tout ce qui met de l'ambiance dans la vie des jeunesses ou des jeunes. Le Togo est en retard. On ne nous voit pas. Regardez comment la CAN s'est passée. On voit comment le Cameroun, tout un continent, le Cameroun, tout un peuple qui jouait ou bien qui s'amusait avec la Côte d'Ivoire. C'était tout. Quand on voyait les Camerounais qui filmaient les parties sales de la Côte d'Ivoire, ils montraient sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens aussi disent, c'était joli à voir. Mais nous là, nous sommes des pitons. Les Togolais, le peuple du Togo, on est des pitons. Nous sommes des serpents qui ne mordent pas. On ne nous voit nulle part. On ne nous voit nulle part. Certains, écoutez bien ce jeune garçon qui est le seul d'ailleurs que moi j'ai apprécié. Le Togo est nul. Les Togolais sont du bout de le pompo rené. Du côté rené, tu as le pompo rené. Et bon, tu ne mets pas de vidéo à mon zoom. Oh, je vais mettre au fil. Oh, vidéo au fil. Oh, blé, 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 blé. Oh,
ni le zéro vraiment. Nous qui allons essayer de le vivre. Nous avons couru les joies, mais peiné les milieux, nous qui avons réalisé. Nous avons couru la vie, nous avons recouru, peiné les messieurs. Et nous qui avons été réalisé. Nous qui allons essayer de le vivre. Et nous bat pour mille. Mille pas vérité en face, les qui m'ont été le port. Mille pas vérité, les qui vont m'ont été le port. Et peiné les messieurs, nous qui avons été réalisé. Aïe, pour boire mille le jour de fille. Stanley le tutaranio. Football me a dit au Jessie. Et pas. Musique me côté à tout faire, nous dit au Jessie va me faire. C'est fini. Boire mille le pompo. Il y a personne. On ne nous voit pas. On ne brille pas. Et mille abonnés au gouvernement là, c'est. Et on a trop, on a mis viré à mi balais ou amé. Ce qui veut dire que, mais n'est-il pas bon ami, condition que mille le togo à Enyon. Donc, à ce jeu, on a fait pour la bon. Et nous la trop. Mais en tant que mille blairé. Il nous l'a travaillé, mais bon, le poil est blanc. Et nous l'a perdu pour l'avoir. On l'a trouvé un ami viré. Vous êtes nul. Mon pays. Hein? Alors, les goûts français, la morale, c'est Mido. Mido, hein? Et tu ne m'étonnes pas. Baloutien, même le pot. Mais qu'il avait au collage. Boxe, même tel est dehors. Karaté, même tel est dehors. Eh ha, même tel est dehors. Nos blancs, moro, le bateau. Quand ils sont des tiers. Ben, il y a eu un assassin. Il y a tout le phénomène et qu'on prend dans mes miroirs. Je vais t'enfermer, je vais t'arrêter et moi, je suis pas mis le prêt. Le Togo ne sert à rien dans le showbiz sur le plan international comparativement aux autres pays de même chose que nous. On ne sert à rien. Bitebiti, c'est une pure vérité. On ne nous voit pas. Le Togo n'a pas de blogueurs. Le Togo n'a pas d'influenceurs. Le Togo n'a pas de footballeurs. Le Togo n'a pas de boxeurs. Le Togo n'a pas des artistes connus sur le plan international. On n'en a pas. Bienvenue. Regardez toute l'Afrique. Regardez comment les gens s'agaillent du football aujourd'hui. Les merveilles du ballon rond. Les merveilles du ballon rond. Comment les nations s'amusent entre eux. Sur le plan politique, du plus petit au plus grand. Les gens se taquinent. Et nous, nous sommes là à regarder comme des pitons. Et tant que minya tobe, tant que togobe, tu as pas tani. Non, madame Fomiadio a mis nous la main. Exemple. Que tu dis, prubité madame Fomiadia, mais que nous béadoui. Ça là, ça s'appelle esprit de piton. Il y a un esprit de piton qui plane sur le peuple togolais. Si on ne vient pas vous piétiner là, vous ne mordez pas. La preuve, quand Tidia Primitien de London est venu vous piétiner, vous avez tous ouvert vos gueules pour le mordre. Ça, c'est esprit de piton. Regardez comment le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ils s'enjaillent en cette période de football. Ils s'attaquent, ils s'amusent. Quel Togolais, quel blogueur togolais, quel TikToker togolais n'a pas envie de faire la même chose. Deux nations. Regardez les Maliens et les Ivoiriens. Regardez les Burkinabés et les Ivoiriens. Regardez les Camerounais et les Ivoiriens. Vous là, tout ce que vous savez, Malolo, tu connais mon père, tu connais ma mère, c'est tout. Didier Publicité de London, sur certains propos, a été clair, fort et net. Et c'est une pure vérité. C'est juste que, on dit qu'on est des patriotes, mais on ne veut pas voir la vérité en face. Regardez comment le Cameroun, pendant la CAN, chez eux, se sont amusés avec les autres pays. Vous, vous n'avez pas envie. Le Bénin. Le Bénin que nous sommes là à critiquer tous les jours, à insulter. Prenons le Bénin, on a qui? On a Axel, la jeunesse, Axel. Les anciens, on a Angélique Kidjo, on a Fousseux. L'autre là, le grand qui fait des films là. Le Togo, à part Adebayo et Toufan. Il n'y a plus rien. Il y a qui? Le Togo, à part des bailleurs tout fan, et Santinos qui monte petit à petit, parce que lui-même il monte petit à petit, parce que il s'est sacrifié en Côte d'Ivoire. Hein. Quand vous voyez tous les artistes togolais qui évoluent tout petit peu sur le plan international, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, aucun artiste togolais ne va me dire, sauf que Tovi,
Cela veut dire que lui, il a eu une suissance sur cette le plan international sans la Côte d'Ivoire. Les Kufano, Santrinoso, Tony Ixo, Cetlo, n'en parlons pas. Ils sont tous versés là-bas. Nous devons tout faire pour améliorer le game togolais, le showbiz togolais. Jabayolo Fonando. Nous devons tout faire. Aujourd'hui, quand tu viens en France, tu vois chaque petit blanc en France, il est en train de danser le coup manteau. Et puis, tout ça là. C'est grâce aux réseaux sociaux. Un pays aujourd'hui peut se développer rapidement grâce aux réseaux sociaux. Mais nous là, on ne sert à rien. On ne nous voit pas. On a esprit de python. Et Togui Dangbe, le Togolais a esprit de python sur ta tête. Quand on ne vous piétine pas, vous ne mordez pas. Mais pourtant là, vous êtes aussi des serpents. Je ne dis pas que tout ce que Didier Prince de London a dit est vrai, non. Mais il y a des points sur lesquels je dirais qu'il a dit la pure et pure vérité aux Togolais. C'est juste que on ne veut pas avaler les médicaments qu'il nous a donnés. Ah ben oui, c'était du Doliprane qu'il nous a prescrit. Qu'on le fait ou pas, il faut le boire. Tout le monde le savent. Tout le monde le savent que le Togo, on n'est pas de représentant au qui connaît qui. Dites-moi, à part Emmanuel Adebayo, qui connaît qui au Togo? Ils vont me dire tout fan. Non, ça s'est passé. À part ça, il y a qui? Box, on n'existe pas. Karaté, on n'est pas là. Taekwondo, on n'est pas là. Shitokan, on n'est pas là. Simple musique, rapper, chanter là-bas là même, c'est fessé. Les blogueurs, ils ont tous pris le temps pour boire. C'est, allez boire. Des traites, des gens qui n'ont pas de dignité. Le showbiz a évolué dans beaucoup de pays. Juste du plus petit jusqu'à dans la politique. Ils s'associent, ils travaillent ensemble. Quand je vois des jeunes députés, des jeunes diplômés, des jeunes diplomates au Bénin qui soutiennent, qui interviennent, qui investissent dans le showbiz béninois, au Togo, est-ce que vous pouvez voir un commandant, un colonel qui va se lever pour dire, je suis venu soutenir le concert de peut-être Ketobi ou de Santrinos en faisant des prodadas, il vient sur le podium, il enlève 1 million, il peut pas. On n'est pas encore civilisé pour aller à ce niveau. Mais ça se passe au Bénin. Des ministres qui viennent dans des concerts de rap et puis distribuer de l'argent. En Côte d'Ivoire, bientôt même, Ado même va commencer par sortir pour faire des prodada. Lui-même, peut-être que dans la semaine prochaine, il va danser coup de mato. Agbegbe, il va danser ça. C'est comme ça qu'on va promouvoir le showbiz. C'est comme ça qu'on va savoir vendre notre pays sur le plan extérieur. Esprit de python est en train de planer sur notre peuple. Esprit de python est en train de planer sur le showbiz togolais. Si on ne vous piétine pas, vous ne mordez pas. Avant d'attendre parler du togolais sur le plan extérieur ou international, il faut le piétiner avant qu'il ne te mord. C'est esprit de python. Togui tangui. Mabare, Togui tangui, le planer, le togo, le showbiz ami. Karaté, taekwondo, musico, football, esprit de python assis là-bas. Esprit de python. Quand on ne piétine pas l'équipe nationale togolaise, vous ne parlez pas. Quand un ministre ne fait pas un truc, vous ne parlez pas. Quand on ne cherche pas Adebayo du terrain, vous ne parlez pas. C'est pour ça que je dis esprit de python. Togui tangui. Le Togolais ne viendra jamais parler du football, que ça n'évolue pas. C'est parce qu'on n'a plus jamais chassé Adebayo du terrain qu'on n'a plus attendu parler de quoi. Non, c'est esprit de python. Esprit de python.
tangwe ni tade ko ya na be piton no mu da foju amadu o sur ce la famille